Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Actu en bref sur Télévision Nationale d'Haïti. Dans l'actualité, en prise de public, là, Jovenel Moïse rentré dans le pays à hier dimanche 10 juin après participation dans le sommet G7 là, qui était déroulé dans le pays Canada. Chef l'État a été rencontré plusieurs compatriotes qui vivent dans le pays Canada pendant passage. L'autre information, Archives nationales célébrées samedi 9 juin, journée internationale Archives sous thème Archives, gouvernance, mémoire et patrimoine. Cérémonie ça a déroulé dans Pétionville en présence divers professionnels qui travaillent dans le domaine Archives. Nouvelle ministère touriste a un protocole accord avec École supérieure infotonique d'Haïti, ESIH, vendredi 8 juin. Si un petit accord a fait promotion pour ensemble site touristique et patrimoine qui n'en pays à travers technologie, information et communication. Dans la conférence pour la presse, porte-parole police nationale la France Lerbourg, by bilan événement qui était marqué mois mai passé. Intervention la police fait, moun qui affecté dans quelques départements et puis parler sur résultat et ensemble enquête. Pour finir, dans le pays l'autre bord de l'eau, sommet G7 qui déroulé vendredi 8 et samedi 9 juin dans le pays Canada, mal fini, suite à la décision président américain Donald Trump prend pour augmenter taxes douanières sur aluminium et acier. Voilà, merci à tout le monde qui t'a suivi. Actu en bref, nous invitons à être branchés pour suivre cette programmation.